tout le monde. Regardez, il neige. Aujourd'hui, nous... Ah! Attention, bleu. Attends, Tilly, tu n'as pas tes pneus neige. Oh. 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 Regardez, Sly est le meilleur véhicule de neige de tous les temps. Ah! Qui a acheté ça? Cette satanée grenouille et ses poubelles. Je vais leur montrer. Prends ça! Sortons Tilly de là. Poussez les mécaniciens. Nom d'un tournevis qui tremble. Maintenant Tilly est une boule de neige géante. Oh pauvre Tilly, tu as l'air gelé. Tu as besoin d'une protection contre l'hiver. Allez les mécanos, prenez vos outils, c'est le moment de réparer. Tournevis, treuil. Et pendant qu'on répare, on dit cette comptine. Mettons dans Tilly ce nouveau radiateur pour qu'elle arrête d'être frileuse et retrouve la chaleur. Tilly a besoin de quelque chose de spécial. Et c'est ce jeu de pneus neige spécial. Chaque nouveau pneu aura une chaîne à neige pour aider Tilly à conduire sur les terrains d'hiver. C'est l'alarme d'urgence. Quelqu'un a besoin d'aide. Porte de garage, ouvrez à toute vitesse. Il est temps d'aider un véhicule en détresse. Oh non! Monsieur Weasel est coincé dans la neige. Vous voulez qu'on vous remorque jusqu'au garage, Monsieur Weasel? Non, pas la peine. Sly est très compétent dans la neige. Oh! Ça dégouline sur mon cou! Ah! Oh là là! C'est de la bonne neige, Monsieur Weasel! Au revoir, tout le monde! C'est Maman Camion et Bébé Camion! Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer? Je vais jeter un coup d'œil! Waouh! Il y a eu un effondrement! Ah! Ah! Un autre effondrement! Nous sommes piégés à l'intérieur! Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils! On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils. Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? T'es si forte! Maman Camion a sauvé la journée!
Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres. À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko. Voici Kat qui arrive. Oh. Hola Gecko. Hola les mécaniciens. Salut Kat. Sache que les mécaniciens sont vraiment ravis de te revoir. Oh, je crois que les mécaniciens aimeraient bien voler comme toi, Kat. Fais voler cette camelote, Sly. Ah, plus de pièces encombrantes dans mon garage bien propre. Ce n'est pas de la camelote. Tu as raison, Kat. On peut utiliser ces trucs. Il ne faut pas gaspiller. Je peux dire que tu as déjà une idée, Gecko. Disons que je vise haut. Beau travail, les amis. Aussi rapide que l'éclair. On a construit une machine volante avec un tas de déchets. Allez, allez, les mécaniciens. Il est temps de voler haut dans le ciel. Beau, tout propre, après avoir touché cette horrible camelote. Et elle a déjà disparu. Je ne verrai plus jamais ces ordures. On forme une sacrée équipe, sur terre et maintenant dans les airs. Oui, Kat, c'est bien vrai. Et le ciel est la limite de ce qu'on peut faire. Salut tout le monde! C'est Gecko! On est sur le chemin du retour! Quoi? C'est bébé camion! Qu'est-ce qu'il y a, bébé camion? Tu as perdu ta tétine? Ne t'inquiète pas, on va te la retrouver! Allez, allez, les mécaniciens! Essaye de regarder près de ces fleurs rouges. Tu vois quelque chose? Et dans ce buisson vert? Tu vois quelque chose là-bas? Être ici, quelque part. Désolée, bébé camion. Je ne trouve ta tétine nulle part. Oh, bleu! Bien joué! Tu l'as trouvée! Et voilà, bébé camion. Ah! Tout est bien qui finit bien. Merci pour votre aide à tous. Au revoir! Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko! Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère
que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Ouf. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Oh non, les mécaniciens. Je pense que le garage est peut-être hanté. Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! Vous avez l'air effrayants, les mécaniciens. Vous êtes tous prêts pour Halloween. Même Tilly se joint à la fête. Qu'est-ce qui se passe, Vert? Est-ce qu'il y a un monstre dehors? Je ferais mieux de jeter un coup d'œil. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Les monstres n'existent pas. Hello! Hello? Est-ce que tout va bien, l'ami? Viens dans la lumière. Oh, mon cher Max, il te faut un nettoyage d'Halloween. On va te mettre dans la station de lavage. Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. Rappelez-vous, les monstres n'existent pas. Quand tu es prêt, Max. Voilà, Max. Tu ne fais plus peur maintenant. Joyeux Halloween à tous! Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Vert? Waouh! Kat et Elena viennent nous aider à installer le tout nouveau gadget! Tenez-vous prêts, les mécaniciens! Vert? Hola, Gecko! Ah, salut, Kat! Haha, voici le moment d'installer un kit extra spécial! Allez-y, les mécaniciens! Je peux lui parler, Gecko? Merci, Kat. Qu'est-ce qui ne va pas, Corazon? Tu voudrais m'aider à faire quelque chose? Tout est prêt pour qu'on procède à un essai. Attendez, on ne peut pas le tester sans Vert. Parfois, je ne vais pas très bien non plus. Mais les sentiments tristes passent, comme les nuages. Nous sommes prêts au sol, Kat.
Allez, Elena, l'hélicoptère. À toi de jouer, Vert. Je crois en toi. Oh, oh, beau travail, Kat. C'était incroyable. Tout le mérite en revient à Vert. Oh, oh, bien joué, Vert. Oh, regardez les mécaniciens. C'est la famille Camion. Bonjour tout le monde. Oh, c'est un beau bateau que tu as là, bébé Camion. Oh non, un pneu. Il se dirige droit vers le bateau de bébé. Ouf. Merci, maman Camion. Maintenant, nous pouvons recycler ce vieux pneu. Attendez. Regardez. Encore des déchets. Ils doivent venir de quelque part en amont de la rivière. Allons-y. Reste ici, Jaune. Protège le bateau. Encore des déchets, là. D'où peuvent-ils bien venir? Monsieur Weasel, que faites-vous? Oh, Gecko, j'essayais de me débarrasser de tous mes déchets. Oh, les freins sont bloqués. Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière. Ah! Ah! Oh! Oh non! Il se dirige droit vers le bateau de bébé Camion. Oh, secours! Vous ne devriez pas jeter vos déchets dans la rivière, Monsieur Weasel. Ça salit la rivière. Vous avez presque détruit le bateau de bébé Camion. Un bateau? Je n'ai pas joué avec un bateau depuis mon enfance de belette. J'ai une idée. Les déchets peuvent être recyclés. On peut faire des choses super à partir de vieilles choses. Je vais vous montrer. Levez l'ancre! Attention! Voici le navire Weasel! C'est tellement amusant! La rivière est propre à nouveau! À la prochaine! Au revoir! Et voilà, Eric! Ça va mieux maintenant? Oh! Qu'est-ce que c'était? Oh, c'est Max, le Monster Truck! Il ne devrait pas jouer ici! Les chantiers sont dangereux! Regarde le désordre qu'il provoque. Oh non, Max est en panne de carburant. Il faut le sortir avant que le béton ne sèche. Vite, les mécaniciens! Allez chercher le carburant de secours! Oh mon Dieu! Ce béton sera dur dans moins d'une minute! Ah! Mais comment allons-nous donner le carburant de secours à Max? Oh! Eric a fait un pont! Oh, 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 oh.
béton est presque dur. Allez, Max, allez! On dirait que Max a appris la leçon. Merci, Max. Une autre panique derrière nous. À la prochaine fois. Au revoir. Bonjour, tout le monde. On est en train de réparer Mama Recycle. Mais, oh, il se fait tard. Vous allez devoir rester pour une soirée pyjama. Allez, tout le monde. Il est temps de se préparer à aller au lit. Wow! Ils sont tellement excités qu'ils n'arriveront jamais à dormir. Mais j'ai une idée. Il est temps d'être tout propre. Avant d'aller se coucher et de rêver. Il est maintenant temps de se sécher. Je viens vous chercher. Ils ne dormiront jamais comme ça. Attends une minute, j'ai une autre idée. Mes canaux endormis, reposez-vous. Après avoir travaillé si durement. Bébé camion, bleu, rouge, jaune et vert. Allez au lit, bonne nuit de beaux rêves. Bonne nuit tout le monde. Viens donc, Vert. Chargeons tous ces vieux trucs dans Tilly. Oups. Désolé, Jaune. Ce vieux sofa doit aller à la déchetterie. On ne peut pas le garder. C'est la famille Camion. Maman Camion, Maman Recyclage et Bébé Camion. Oh non! Pauvre Bébé Camion, quel atterrissage difficile. Si seulement il y avait un moyen de le rendre plus doux. Qu'est-ce qu'il y a, Maman Recyclage? Tu as une idée? Bébé Camion. Tu devrais atterrir en douceur cette fois. De rien, Bébé Camion. Oh, merci, Maman Recyclage. C'est toujours bien de faire quelque chose de neuf avec quelque chose de vieux. Bonjour à tous. On a une journée chargée. Bébé Camion et Max ont besoin d'un changement de pneus. Mais où est Max? Bonjour, Max. Allez-y, les mécaniciens.
personne a roulé et s'est cogné la tête. Alors à vous de jouer, bleu et rouge. Allez, viens, Jaune. On dirait que les pneus se sont mélangés. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Il nous suffit d'échanger les pneus. Ne t'inquiète pas, Max. On va vite régler le problème. Burk. Oh. Bébé camion, on voit bien que tu t'amuses. Mais ce sont les pneus de Max. Est-ce qu'on peut les lui rendre maintenant? Ah, oh, bien joué, bébé camion. C'est important de toujours rendre ce qu'on a emprunté. Et bientôt. Au revoir. Très bien, les mécaniciens. Max veut améliorer ses sauts. Il faut donc améliorer son moteur. Bleu, tu peux voir qui est à la porte, s'il te plaît? Qui est-ce, Bleu? J'espère que tu vas apprécier mon petit cadeau, Gecko. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau? Je me demande de qui ça vient. Waouh! Un nouveau cric de voiture. On va le tester. Comme j'ai mis un ressort dans les crics, je pense que tu vas le trouver un peu rebondissant. Ah! Oh, oh! 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 Les mécaniciens! Oh! 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 Ouh! Au! Oh! Au! Ah. Merci, les mécaniciens. Je crois que ce cric est un peu cassé. Attendez une petite minute. Ok, Max. Essaye donc. J'imagine que chaque chose est utile. Beau travail, tout le monde. Oh, Burk. Je ne me sens pas très bien. Oh mon Dieu, il y a la visite de Carrie le bus aujourd'hui. Vous pouvez vous en occuper, les mécaniciens? Tout va bien. Ah.
quoi ce bruit? C'est bon. Je me sens mieux maintenant. Hein? On dirait que tout est sous le contrôle des mécaniciens. Bon travail, tout le monde. Salut, tout le monde. C'est Gecko. On a une belle journée ensoleillée. Alors, je me suis dit que j'allais observer les oiseaux. Oh, regarde! Ce sont les jumeaux, Barry et Carrie. Oh non! Barry est tombé! Vite, les mécaniciens! On doit l'aider! Allez, allez, Tilly la dépanneuse! Ne t'inquiète pas, Barry. On va vite te sortir de là. Bleu! On va t'examiner. C'est étrange. Ton moteur ne veut pas démarrer. Carrie va remonter le moral de Barry. Comme c'est charmant. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Ce poisson était coincé dans le pot d'échappement de Barry. C'est pour ça que son moteur ne démarrait pas. C'est si agréable quand des amis vous rendent visite. Ça aide à aller mieux beaucoup plus vite. Le poisson est chez lui, sain et sauf. Ses amis ont dû s'inquiéter pour lui. Eh bien, tout est bien qui finit bien. On se revoit bientôt. Au revoir! Oh! Salut tout le monde! Vicky, le camion à glace est en réparation. On est en train de faire quelques finitions. Merci, Jaune. Est-ce que je pourrais avoir un tournevis? Attention, les mécaniciens! Ce tuyau est plein d'air glacé. C'est comme ça que Vicky congèle sa glace. Jaune, ne touche pas ce bouton. Mécaniciens, vous m'avez sauvé. Maintenant, finissons de réparer Vicky. Merci, Vicky. Au revoir, tout le monde. Il est temps de repeindre le panneau, les mécaniciens. Bleu, tu peux aller chercher la peinture verte et emmener Jaune sur le toit pour nous aider? Oh mince! Fiona a reçu un coup sur son pare-choc.
Viens à l'intérieur et réparons-le. Vert, il nous faut de la colle extra forte, s'il te plaît. La colle n'est pas censée être verte. Bleu et jaune doivent avoir la colle. Vite, rouge, monte sur le toit. Oh, pauvre rouge. On va devoir monter sur le toit d'une autre manière. Oh mince! Quelle situation délicate! Il faut te libérer avant que la colle ne prenne complètement. Fiona, on peut t'emprunter ton tuyau? Ne vous inquiétez pas, les mécaniciens. On va bientôt vous libérer. Bon travail, tout le monde. Fiona et moi avons l'air tout neufs. D'où vient tout ce désordre? Oh, Monsieur Weasel, vous allez bien? J'ai fait de Vicky le camion de glace le plus rapide au monde. Mais elle s'est envolée avant que je puisse avoir une glace. Nous devons arrêter Vicky avant qu'elle ne fasse encore plus de dégâts. Ça y est, elle arrive. Tu es prêt, Bleu? Appuie sur le bouton éteindre. Ouf. Bien joué, Bleu. Vous avez encore mon camion à glace. Venez les mécaniciens, allons voir s'il va bien. À très bientôt. Au revoir. Voilà, Eric. Ton bras devrait être à nouveau comme neuf. Les mécaniciens, que faites-vous? Oh, je vois. Vous cherchez un trésor de pirate. Bien, Moussaillon. Ah, c'était quoi ce bruit? Eric a trouvé quelque chose. C'est peut-être un trésor enfoui. Je me demande ce que c'est.
Oh, jaune. Ce n'est peut-être pas de l'or, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un trésor. Oh! Tada! C'est un vieux wagon de chemin de fer, les amis. Mais... il manque quelque chose. Ah! Waouh! Eric a trouvé l'ancienne voie ferrée! Essayez maintenant, les mécaniciens! Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose n'est ni en argent ni en or que ce n'est pas un trésor. Allez, les mécaniciens! J'adore ce que tu as fait avec le garage, mon petit Geki. Il était très différent à mon époque. Oh, merci, grand-mère! Tu aimes te faire nettoyer, hein, Miles? Il a l'air tout propre, les petits. Au secours! Au secours! Je ne peux pas l'arrêter! Monsieur Weasel, il a des problèmes. Grand-mère, attends! Merci, Rouge. Reculez, les enfants! Grand-mère arrive! Monsieur Weasel, mais quel est donc le problème? L'accélérateur est bloqué! Je ne peux pas ralentir! Au secours! Grand-mère, le toit ouvrant! Bien reçu, mon petit! Gecko, fais-la s'arrêter! Oh, désolé. Oh, l'accélérateur est collé avec du chewing-gum. Bah. Il s'en est fallu de peu. N'importe quoi. J'avais tout sous contrôle. Ah! Je n'aurais pas pu réussir sans toi, grand-mère. Pas de problème, mon petit. Tu as bien réfléchi. Je suis fière de toi. Oh, merci, grand-mère. Nom d'un tournevis, les mécaniciens. Cette porte est vraiment coincée. C'était toi, Tilly. Regardez, c'est Trevor, le tracteur. Oh, on dirait que tu as besoin d'un coup de main. Suis-moi. Nom d'un petit boulon. Je vois déjà le problème. Nous devons réparer tes rouages. Bien, il nous faut de l'huile pour engrenage et... la clé à molette super solide de grand-mère Gecko. Attention, les mécaniciens! Ah, il faut de très bons muscles pour soulever cette clé à molette! Ah, voilà, c'est bien mieux! Ce sont des rouages de luxe! Essaye maintenant, Trevor! Les tracteurs ont besoin d'un bon moteur pour porter des charges lourdes! Peut-être que Trevor pourrait utiliser sa force pour nous aider! Tirez maintenant, les amis! Hurrah! Super travail, l'équipe! À très bientôt, Trevor!
Au revoir. Ah, une réussite, les mécanos. Un autre client heureux. Oh non! C'est un désastre! Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Weasel? C'est Sly! Ma précieuse voiture de sport a une saleté! Sly peut utiliser notre station de lavage. Ma station de lavage Weasel est meilleure et de loin. Allez, Sylvestre, arrête de traîner. Tu dois être ici. Non. Ah, pas moi, misérable robot. Sly, fais quelque chose, je t'en prie. Oh non, espèce de clown maladroit. Sly a besoin de notre aide, Bleu. Vite, prends ma trousse à outils. Bleu, passe-moi ma clé à molette. Cette machine à laver Weasel est devenue folle. Vous allez bien, Monsieur Weasel? Mieux que jamais. Heureux de l'entendre. Oups, j'ai oublié la trace. Allez, Bleu, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, les mécaniciens. Hein? Bobby, que fais-tu ici si tard? Oh là là, tu as besoin d'une nouvelle roue. Je peux réparer ça. Mais il ne faut pas faire de bruit. Oh! Ouf, on l'a échappé belle. Oula! Non, 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 non. Hey. Oh! C'est fini, Bobby. Bonne nuit. Je vais peut-être juste m'asseoir un moment. Costume d'Halloween, les mécaniciens. Vous êtes prêts pour la chasse aux bonbons? Désolé, les mécaniciens. Je dois finir la vidange de bébé camion. Allez-y, je vous retrouverai. Yeah.
farce ou friandise. Bah, vous n'aurez pas de bonbons, à moins que vous ne me fassiez peur. Et rien, mais rien ne me fait peur. C'est nul. Je crois que je vais devoir manger tous ces bonbons tout seul. Déjà de retour? Oh, je suis désolée, les mécaniciens. Attendez, qu'est-ce que c'est, bébé camion? Ah ah, c'est une bonne idée. Encore ces chasseurs de bonbons ennuyeux. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas... Hein? Bien joué, bébé camion. Il a eu une sacrée peur d'Halloween. Joyeux Halloween. Ah, ouf. Dieu merci, la pluie s'est arrêtée. Maintenant, on peut commencer notre pique-nique. Je suis nouvelle en ville. Kat est mon nom et le sauvetage est mon truc. Je suis ici pour protéger tout le monde. Salut Kat, je suis Gecko et eux sont les mécaniciens. On est en train de faire un pique-nique. Tu veux te joindre à nous? Oh, est-ce que vous avez des sandwichs au thon? Je crois que oui. Est-ce qu'il en reste, Tilly? Tilly! Oh! J'arrive! Oh non! Elle s'enfonce dans la boue! Tilly est en train de s'éloigner! Vamos, Selena! Il faut sauver quelqu'un! Oh! Ça ne va pas marcher! Oh! Accroche-toi, Tilly! Tiens-toi bien, Bleu! Je n'arrive pas à l'attraper. Gecko, utilise le parapluie. Ouf, c'était moins une. Ah, et voilà, Tilly. On forme une bonne équipe, Gecko. C'est vrai. Merci pour ton aide, Kat. Ah, voilà, maman camion. Tes indicateurs vont bien fonctionner maintenant. Heureusement que j'ai toujours des ampoules de rechange. Ah, c'est Molly qui joue avec son jouet favori. Et avec bébé camion aussi. Assure-toi de le partager. Pauvre bébé camion, tu as un bobo, mais tu vas t'en sortir, je te le promets. Molly, jetons un coup d'œil sur toi maintenant, Molly. Tu vas bien? Hein? Oh non! Molly a une fuite d'huile. Je n'ai pas les outils pour pouvoir la réparer ici. On doit te ramener au garage. Rapidement! Je vais avoir besoin de ton aide, bébé camion. Peux-tu garder la route dégagée afin que je puisse vite amener Molly au garage? Tout le monde, allons-y rapidement. Il est temps d'aider un véhicule dans le besoin. Oh, ah.
Eric et Dylan bloquent la route. Merci Eric et Dylan. Bien joué, bébé camion. Prenez vos outils et réparons. Réparons et chantons cette comptine. T'inquiète pas, Molly, nous sommes là pour toi. Et tu seras comme neuf quand on te réparera. Grâce à notre équipe et aux outils, on répare chaque partie de chaque ami. Réparons, soudons, vérifions et puis recollons toutes les parties. Cette réparation t'a rendu plus forte qu'avant. Tu ne perdras plus d'huile dorénavant. Oh, on n'aurait pas pu la réparer sans ton aide, bébé camion. Oh, et regarde, Bleu a réparé le jouet camion. Bien joué, Bleu. Et bravo pour le partage, vous deux. Je suis si fière de vous. Au revoir, tout le monde. Bonjour, tout le monde. C'est l'anniversaire de Vert et on se prépare pour une fête à la plage. Oh, oh, reste là. Ce sont des ballons à l'hélium et ils flottent dans l'air. Ah, tout est prêt pour aujourd'hui. On attend juste Fiona qui doit amener le gâteau d'anniversaire de Vert. Attention, Fiona, ne roule pas sur le... sable mouillé. Vite, la marée monte. On va te sortir de là, Fiona. Ah ah! On peut la soulever avec tous tes ballons, Vert. Je sais que tu aimes tes ballons, mais Fiona en a vraiment besoin. On peut les utiliser, s'il te plaît? Oh. Ça marche! Ça marche! Oh oh! Ça marche trop bien! Elle vole! Non! C'est ça! Allez, allez les mécaniciens! Bon travail les mécaniciens! Et voilà qu'arrive le reste des invités de la fête! On est content que vous soyez venus! C'est super d'avoir partagé, Vert! Et joyeux anniversaire! Hourra!